petite Émilie, 6 ans et demi, et l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentil, si belle, des yeux qu'on sorcelle, pour toute sa mère en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle, leur relation était devenue plus que fusionnelle. Rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée. Elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis. Elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie. Car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient bouffe tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Dites Emily, à 12 ans maintenant, adolescente enfermée au grand dam de maman. Fini le joli visage souriant. C'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée. Tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le souffre-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, ils l'appelaient la dégueulasse. Des photos d'elle tournées montrant son ventre qui dépasse. Ne sachant pas comment faire ni comment réagir à cet enfer. Par honte et ne voulant pas affoler sa mère, petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades tous ensemble l'avaient enfermée dans le vestiaire pour la toucher. Alors elle étendit ses ailes, prit son envol vers la paix.